Bonjour. Ça va bien? Adé, on est là. Tu n'as pas les nouvelles de l'inspecteur? Non. Il ne va pas attendre nothing. Mais c'est la nuit. Il m'appelle. On cause, non? On a ça, oui, un ami. Oui, on cause. Mais il dit, c'est un mois. Il go can look. Whether we don't need to hire, understand? So we don't clean place. You go refresh. Whether I go come. Attends, donc l'inspecteur dit que c'est dans un mois qu'il va réfléchir s'il peut venir voir si l'école est propre. Yeah. Il ne sait pas que les herbes la poussent. D'abord, dis-moi, pourquoi c'est toi que l'inspecteur appelle? Il n'a pas mon numéro de téléphone. Nagodo, Dieu donné. Donc, c'est pour ça que toi, tu prends tes instructions directement chez l'inspecteur. Yeah. Hey, one day, non. Je suis là. My phone ring. The person call me. J'ai dit, c'est qui? Il dit, l'inspecteur. Je dis, ah! C'est comme ça, on commence. Il me donne rapport comme ça. Instruction, I did give you. Toi, tu reçois tes instructions directement chez l'inspecteur. L'inspecteur n'est un grand frère, non? Il est comme grand comme lui, non? Je parlais pour ton boss. Boss parlait pour boss. Et moi, quand elle te donne, c'est pour ça que quand elle te donne mes instructions, tu regardes ça comme les pipis de chat. Toi, tu t'en fous parce que c'est directement l'inspecteur qui te commande. Moi, je veux te dire que je suis ton supérieur hiérarchique. C'est moi le directeur de cette école. Tu comprends? Et l'inspecteur n'a pas le droit de venir donner des instructions à mon personnel. Non, il n'a pas le droit d'entrer ici. S'il devait dire quelque chose, il passe d'abord par le directeur pour parler. Il n'a pas le droit de faire ça. Et puis si, Axi. Attends, je ne te demande pas d'aller lui dire. Ok, à notre lit. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est même pas que je suis fâché. Hein. Ok. Attends, c'est one fâche. Ce n'est même pas que je suis fâché. C'est seulement une réflexion comme ça. Hein. Donc, de toi à moi, on ne tue pas. Non, il n'y a même pas de problème. Ok. You go. Donc je peux partir. Ah, remain for day. Go. Merci beaucoup. Party, go. I go call. If you call me, I go tell you. If you give me any instruction, je te dis. Merci, mais tu es très gentil. Merci beaucoup. Boss de boss. Espérez parler, je te l'ai dit. Hey, I'm a big man, oh. Oh, Dieu donné. Je suis grand frère. Les cossi, na go no. Bonjour, monsieur le directeur. S'il vous plaît, j'ai besoin de crêpes pour continuer le cours. Ouais. Donc, c'est pour ça que vous m'agressez comme ça. Vous ne pouvez pas me laisser même garer mon véhicule. Mais est-ce que je vous ai agressé? Ça fait 2 semaines que je suis là. C'est la craie avec laquelle je suis venue de Douala que je suis en train d'utiliser jusqu'à présent. Vous n'avez pas encore donné le matériel didactique aux gens. Je suis censée faire quoi? Attends, donc vous pensez sincèrement que moi j'ai reçu le matériel didactique et que je refuse de vous donner?
Ça non, veut dire que je suis méchant. Je ne parle pas de vous. Je parle du paquet minimum. J'ai fait les nièges. Et on nous a appris que chaque rentrée scolaire, l'État met à notre disposition un paquet minimum qui nous permet de dispenser les cours dans des conditions nobles et favorables. Mais là, vous voulez déjà nous ramener dans la barbarie, la précarité. Ce n'est pas normal, ça. Attends, qu'est-ce que vous voulez dire là? Vous pensez que le paquet minimum là, donc tu restes comme ça tranquillement, ça vient te chercher, tu trouves ça partout, tu te balades comme ça, tu trouves le paquet minimum. Donc j'ai le paquet minimum, je suis un bandit de la craie, madame. Monsieur le directeur, on ne va pas aller jusqu'à de telles extrémités, non, non. Tout ce que je veux, c'est la craie, s'il vous plaît. J'ai besoin de craie pour faire le cours. Mais vous me demandez quelque chose que je n'ai pas. Je vous suis en train de vous expliquer que la craie que vous demandez là, moi-même je ne vois pas ça. Non mais attendez, attendez. Parce que là, jusqu'ici, je suis calme. Faut pas exagérer, hein? Je suis censée faire quoi? Je suis pas une enseignante, hein? Si vous ne voulez pas, tenez. Prenez ça. Moi, je vais laver mes mains, prendre mon sac et m'asseoir dans votre bureau. Je dois écrire avec mes mains. Non, 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 madame, s'il vous plaît, on n'est pas obligé d'en arriver non, à de telles extrémités, n'est-ce pas? Et si on allait à la direction en parler calmement? Je vais à la direction prendre la craie pour continuer le cours. Les enfants ont besoin de fréquenter. On peut en parler tranquillement à la direction, comme des gens civilisés, hein? Allons avoir cette conversation. Oui, non, on va en parler. Duranel, la maîtresse est où? Je ne sais pas. Bien, les amis, ce bout de papier que j'ai en main est une pétition. Tout à l'heure, je vais passer avec cette liste devant vous et chacun va signer là où il va voir son nom. Vous comprenez? C'est une pétition pour que moi, votre maîtresse chérie, votre maîtresse de luxe, que je récupère ma salle de classe pour moi, hein? Deux. Voilà. Non, mais vraiment, pour être tout à fait honnête avec vous, vous avez raison. Vous avez raison. Parce que, objectivement, normalement, en début de chaque année, la mairie met à notre disposition, est censée mettre à notre disposition, le matériel didactique. Mais attendez un peu. La mairie est censée mettre ou la mairie met? C'est quand même une obligation. Hey, madame, il y a longtemps que la normalité a cessé d'être normale ici. Vous comprenez? Donc, on se débrouille. Moi, je suis qui? Je suis qui pour débarquer comme ça dans le bureau de monsieur le maire et de lui dire que monsieur le maire, j'ai ma craie ici, j'ai mon balai ici, j'ai ma raclette ici, j'ai ma sépia ici. Je peux faire ça? Mais je suis vraiment dépassée. Parce que nous sommes quand même des enseignants reconnus par l'État. Nous enseignons quand même dans une école publique. Donc si la mairie ne veut pas mettre tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir enseigner les enfants, mais on va là-bas, on signe des pétitions et on fait la grève. Pardon, parlez doucement. Je vous assure que les murs de ce village ont des oreilles. Donc vraiment, parlez doucement. Moi, il me reste encore quelques années avant la retraite. Moderne de la communication. On utilise le tam-tam pour communiquer. Tam tum 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 tum. Madame Raissa, il y a un souci. Tita, c'est fait. Quoi? Objectif atteint. Miki, tu as fini ton programme scolaire en début d'année. Mais tu es faute, tu as fait ça comment? Si ça n'égage pas ma joie. Oh. Cela veut dire que c'est à cause de vous que nous sommes dans cette situation-là. Parce que vous refusez de vous plaindre. Vous refusez que les gens se plaignent. Vous venez parler des murs qui ont des oreilles et c'est monté, c'est des... Ça veut dire quoi ça? Hey, Il s'agit d'une école publique. Quand même. Vraiment, vous ne connaissez pas. Hein? Vraiment, vous ne savez pas. Désormais, je redeviens la maîtresse officielle du cours moyen 2. Le directeur a fait un nouveau remaniement.
je suis dans quelle classe maintenant? Bah maintenant tu ne connais plus lui, hein? Tu ne vois pas ici là que pétition de Madame Raïssa pour sa classe au coup moyen de... Raïssa? Tu as fait la pétition? Oui, non. Pas le problème. Tu demandes aux enfants de signer... Tu connais même ce que c'est une pétition? Mais oui, non, Chicha. Quand tu plaides d'une cause et puis tu demandes aux gens de signer, et puis ça va, non? Sauf que ce que tu ne sais pas dans la pétition, c'est que les gens qui signent là, ils doivent être majeurs et être capables de prendre une décision. On est à l'école primaire. L'école publique groupe 2, qui peut prendre la décision ici? Quand tu dis à Germain François de signer là, à 9 ans, il signe qui signe quoi? Il ne sait pas qui signe quoi. Est-ce qu'il ne sait pas qu'il veut que je sois sa maîtresse chérie, sa maîtresse de luxe du coup moyen de... Non, il ne sait pas. Tu l'as seulement forcé pour qu'il signe ici, c'est la vérité. Tu sais quoi? Ça là. Je suis dans ta salle, regarde, tu as fait. Chicha! Ce sont les efforts de toute une vie que tu froisses comme ça là! Tu as passé toute ta vie à rédiger la pétition. De toutes les façons, on va essayer de s'arranger comme on a l'habitude de faire. Donc je vais essayer de. Il faut régler ça, moi j'ai juste besoin de traits. Non, on se débrouille. On se débrouille toujours. Dire quoi, ça? On arrive à se débrouiller vraiment. Donc je... Mais attendez, celle-là vous l'avez eue où? C'est le reste de l'année dernière. Moi je suis comme ça. Quand j'ai, je donne. Vraiment, quand j'ai, je donne. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Parce que tous les enfants là, ce sont mes enfants. Hein. C'est aussi mes enfants que vous partez. Absolument, tout à fait. Donc c'est comme ça. Si celle qui vient de Douala là me dépasse, tu sais que toi tu ne peux pas me dépasser. Il n'y a pas d'abord voir mon père. Okay. Elle dit qu'il n'y a pas voir mon père comme si c'était le commandant de brigade. Alors qu'il est dans le hangar là-bas. On va tous aller le voir. Je suis en train de faire les matérologies et ça prend beaucoup de craie. De quoi? Donnez-moi la craie. Monsieur le directeur. Arrêtez tout. La craie sort d'où? Mais on dit bonjour. Vous interrompez une discussion comme ça et vous venez commencer à... On dit bonjour quand on est en train de poser une question. Hein? Toi, tu as droit à la craie que tu es qui? Ouais. Tu as assez plus que qui ici là? Ouais, la maîtresse Raïssa, faut te calmer. Vraiment, faut te calmer. Vous ne trouvez pas que nous sommes en pleine séance de travail? Attends, donc c'est comme ça qu'un carton de craie se présente, hein? Tu es sérieux là? C'est beau, hein? Je n'ai jamais vu. Donc vous venez dans mon bureau comme ça là pour faire de l'esprit? Est-ce qu'il ment? On parle de l'esprit, hein? Depuis que nous sommes arrivés dans l'établissement, si on a donné la craie à qui? Si ce n'est pas la méthode de Chicha qu'on utilise. Ça veut dire quoi la méthode de Chicha? Ce n'est pas important. Ce n'est vraiment pas le moment de revenir là-dessus. C'est important. C'est tout simplement important. Si elle veut la craie, elle vient me voir. Ou bien elle voit Chicha. Et puis on lui dit comment ça se passe. Depuis plus de 5 ans que je suis ici, on ne m'a jamais rien donné. Je suis obligé d'utiliser ma méthode pour travailler. Donc, à défaut, soit elle s'aligne sur la méthode de Chicha, soit nous tous utilisons ce carton de craie. Il faut resituer tout dans son contexte. Parce que voilà, la maîtresse était en train de faire cours et puis sa craie est arrivée à expiration. Oui, oui. Donc elle est venue alors que vous faisiez cours dans votre salle de classe. Ça suppose que vous aviez de la craie. Maintenant, vous venez alors que vous pouviez continuer à faire cours. Mais si vous avez besoin de craie, vous attendiez que je vienne me plaindre pour que vous venez commencer à vociférer comme ça. Vociférer, n'est-ce pas? Tu as le gros mot dans la bouche. J'ai dit que soit elle utilise la méthode de Chicha, soit rien et puis coupons court sur ça. C'est vrai, elle n'a pas tort. Mais bon, on va couper court, hein? Parce que les enfants ont besoin d'avoir des cours dans leur cahier. C'est quoi la méthode de Chicha? Si la méthode de Chicha est synonyme d'avoir de la craie, bah faisons la méthode de Chicha et on quitte dehors les problèmes. Ok. Ok, moi ça va. Vraiment, je suis pour la démocratie. Hein. Comme vous tous voulez la méthode de Chicha, il n'y a pas de problème. Donc on va... Allons, rendons-nous en salle de réunion. On va vous expliquer... De quoi il s'agit, de quoi il retourne. Alors, la méthode de Chicha, c'est une méthode inventée en 2001 par Chicha. Chicha, c'est moi. Alors, c'est une méthode qui consiste à ne pas tout attendre du gouvernement. Il s'agit de se mouvoir par soi-même. Il s'agit ici de la fabrication de la craie. Pour cela, il faut d'abord que je vous présente la matière première. Nous avons besoin du manioc, encore appelé ksala. Lorsqu'on a le ksala, à ce moment-là, on l'écrase pour obtenir la farine de manioc, encore appelée kumkum. Lorsqu'on a le kumkum, on va tamiser le kumkum. On tamise le kumkum. Lorsqu'on a fini de tamiser le kumkum, c'est à l'aide de l'eau qu'on va, bien sûr, mettre dans le kumkum
On va macérer, macérer, macérer jusqu'à obtenir la pâte de koumkoum. À l'aide de la main, on va déjà chercher à obtenir la forme d'une craie. Lorsqu'on a ça, c'est ce qu'on appelle du à peu près. C'est à ce moment qu'on a besoin de la feuille de bananier. Avec la feuille de bananier qu'on va couper une partie, on va la mouiller et on va rouler, rouler pour obtenir la forme normale d'une craie. Lorsqu'on a ce que j'appelle la forme normale d'une craie, on va mettre sur le soleil. Après 2 heures au soleil, on obtient ce qu'on appelle la barre de craie. Très belle prestation. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que vous fabriquez les craies de couleur. Ah, parce qu'il y a aussi les craies de couleur. Alors, pour les craies, c'est pertinent. Merci beaucoup pour la pertinence de votre question. Pour les craies de couleur, si une maîtresse veut, par exemple, la craie de couleur jaune, au moment du mélange avec l'eau, il faudra aussi mélanger avec la patate. C'est avec ça qu'on obtient la craie de couleur jaune. Si on veut la craie de couleur rouge, on doit mélanger avec la fesse du macabre rouge ou alors avec la betterave. Si c'est la craie verte dont on a besoin, au moment du mélange, l'eau qu'on utilise, c'est l'eau d'une dolée lavée. C'est ça qui nous permet d'avoir la craie de couleur verte. Autre question, avant d'y arriver, pour les autres couleurs, comme la couleur bleue, nous sommes encore avec Diane en train de mener des recherches. Lorsqu'on sera calé, lorsqu'on sortira du laboratoire, on vous tiendra informé. Autre question? Adieu, maçon. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, ne dites pas que je vous dérange. Ce n'est pas la volonté qui manque. J'écoute, mais je ne comprends rien. Donc, s'il vous plaît, le carton de craie qu'on était en train de vouloir partager là-bas, partager. On quitte derrière les problèmes. Comme ça, chacun va continuer à donner les cours. On va se débrouiller, même s'il fallait qu'on décrive petit, petit, je vous jure, je vais économiser. Là, je ne comprends rien, s'il vous plaît. Oui, ce serait bien. Ce serait bien, en effet. Mais après une démonstration aussi brillante, je pense qu'il est vraiment préférable et de bon ton que chacun cherche son kasala. Qui va transformer en koumkoum et fabriquer sa provision de craie, quoi. Que chacun puisse avoir autant de craie qu'il le souhaite. Au lieu de passer le temps à se battre pour 2 ou 3 barres de craie. Vraiment, je pense que c'est ce que chacun de nous devrait faire. Donc, pour ce qui est de ce carton, je vais le garder pour moi. Et sur ce, je déclare la séance levée. Tu viens ou pas? Oui. Ok. S'il vous plaît, monsieur le directeur, s'il vous plaît, aie pitié. Je vais prendre le manioc. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, monsieur le directeur.